On est ce matin le mercredi 9 juin, le 29 du mois de Sivan et Chem Tovim, ou Shalom, Yom, ou les dettes, sa mère, Bezrat Hashem. Pour son anniversaire, Eli Ben Saïd Ayakar, Bezrat Hashem, réussite spirituelle et matérielle, Kakadosh Baruch Hu le comble de joie, de bonnes nouvelles, chez la Veoto Bechol de la Chav, Bezrat Hashem, et aussi pour que tous les Bnei Israël et les nations du monde prient le même Dieu. Ça fait, sympa, Bezrat Hashem, tu as raison. C'est une très belle demande, Yiratson, que la vérité sorte et qu'on comprenne qu'il n'y a que Eloke Israël, Baruch Hashem. Bracha Batzacha Tzadik, merci d'avoir acheté ce shiur. Et pour honorer ton anniversaire, on parlera du Baal Shem Tov, le Baal HaChassidut, un verset de HaChassidut Bezrat Hashem, sur un des versets de la paracha de Korach. Donc sans plus tarder, comme on a déjà donné les noms juste dans le shiur précédent, avant que je m'en aille faire un shiur, parce qu'après cette caméra, j'ai encore un shiur à faire dans une autre ville. Chez Niske, l'Agdil Torah l'Adira Bezrat Hashem Beirat Shamaim, ou l'Agdil Et Hashem Mamash Bechol Atar Veatar, que Dieu nous donne toujours ce mérite de soutenir la Torah, de faire grandir la Torah. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est juste un mérite qu'il nous donne. Donc, Toda Rabba à vous tous. Demain, c'est le 10 du mois, comme vous le savez. Celui qui peut aider, Tavo Alav Beracha. Et s'il ne peut pas aider, un sourire suffira. Voilà, on pensera en même temps à l'âme de Georges Elio Ben Zimcha Alice. Zichrono Livracha, Refoua Shlema pour ma sœur. Kol Chol Israël, Bechol Atar Veatar, Moratimia Gdosha, Sarah Talia Batefret Myriam. Et Bezrat Hashem, toutes vos demandes, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et beaucoup de bonheur. Alors, on va lire une histoire avec le Baal Shem Tov, même si on n'est pas Motzé Shabbat. C'est très sympathique, je suis très amoureux de ce Rav. C'est waouh, ses enseignements, sa vie, sa biographie, son courage. Il n'a pas vécu tellement longtemps, mais ce qu'il a fait en si peu de temps, c'est plus de 60 ans, je crois, mais C'est énorme. Quand on étudie la vie de ce tzaddik, on a l'impression qu'il a vécu 600 ans. Quoi. C'est pas possible. Il a fait tellement de choses. C'est incroyable. Qu'on s'en inspire toute notre vie et que son mérite nous apporte la Géoula. Bezrat Hashem, comme son héritier, Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, le Rabbi de Lubavitch, tous ces grands de la Torah nous ont apporté tellement de bonheur qu'on n'oublie jamais, jamais leur nom, comme tous les autres tzaddikim, bien entendu. À propos du verset de la Torah, Vayomer Moshe, donc dans le parasha de Korach, Moshe dit, Bezot Tidaoun, en cela vous saurez, qui Hachem Shelachani. Donc, qu'est-ce que propose dans la paracha un synopsis katsar récapitulatif de ce qui se passe dans ce verset? Dans la paracha de la semaine, les 250 princes se présentent, prétendant que eux aussi peuvent devenir les leaders du peuple d'Israël, les représentants spirituels du peuple d'Israël. Et donc Moshe leur propose que le lendemain matin, chacun vienne avec sa marta, c'est-à-dire cette espèce de spell avec ses encens, qui viennent les brûler, avec l'histoire du chaquet, de l'arbre. Hein. Et puis voilà qu'il n'y en a qu'un seul qui vivra, et ils prennent tous le risque de donner leur vie, Bedvekut Bashem, pour adhérer à Dieu, pour servir Hashem. Donc maintenant que vous avez entendu ça, on comprend le verset. Pourquoi ? Yomer Moshe Bezot Idaoun, en cela vous serez. Qui Hachem chez la Chani, car j'ai été envoyé par Dieu, la Asot et Konama Asimaele, de faire tout ce que j'ai fait, dit Moshe. Rien n'est de moi. Je ne suis pas un usurpateur. Je n'ai rien fait qui venait de mes pensées personnelles. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et vous l'avez vu. Vous le savez. Qui l'omilibi. Et non pas de mon cœur personnel. Pourquoi l'omilibi? Pas de moi. Parce que le Yetzerara se trouve dans le cœur. L'orgueil se trouve dans le cœur. Il dit, Chas Shalom, ce n'est pas pour moi personnellement que j'ai fait ça. Mais vous allez le savoir, Bezot. Sur ce intervient notre maître, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha, Sruto Yegan Alenu, et particulièrement Bezrat Hashem, pour M. Ben Saïd, qui fête son anniversaire à Kar Eli Ben Saïd, Astishmatov. Omer Kacha. Be'ahad Hayamim, un jour, était assis le Baal Shem Tov, avec ses élèves, la seuda de Shel Mitzvah, pour une seuda de Mitzvah. Peu importe laquelle, Bar Mitzvah, Pidyon Nefesh, Pidyon Aben, Siou Masechet. Hen Amrou Chachamim, comme c'est marqué dans Masechet Yoma, à la page 22 Amoud Alef, Kol Tamit Chacham, Sheino Nokem Kenachash, Eno Tamit Chacham, Lechora Kaché, Are Mikrazem Forash Unemar, Lotikom Velotitor. Alors il dit ici, la Gemara nous dit, toute personne qui est investie de Torah, un Tamid Chacham,
chez Inonoken, et qui ne se venge pas comme le Nahash, on sait que le Nahash, quand tu viens pour lui faire du mal, il te le rend, c'est pas un Tamid Chacham. Bizarre ça. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Elle pose la question ici. Mazé Omer. Alors un Tamid Chacham, il doit se comporter dans une mida du Nahash. C'est que le Nahash, il se venge. Nokem. Nahon, Nchon Nekama. Tamid Chacham, il doit être comme ça. Alors il dit, Eno Tamid Chacham. Le Baal Shem Tov a dit, c'est difficile à comprendre. Aré, c'est marqué dans la Torah, dans Vaikra, chapitre 19, verset 18, Lotikom velotitor. Ni tu te venges, ni tu tiens rancœur. Alors comment est-ce que la Gemara dans Yoma peut nous dire qu'un Talmid Chacham qui ne se venge pas de celui qui a fait du mal, qui vient chol, comme le ferait le Nahash, le serpent, n'est pas un Talmid Chacham? Et là, Eshiv a répondu, le Baal Shem Tov, parce que la Gemara nous dit dans Maseret Tanit, à la page 8, à Moudalef, « Je shalou et anachash, ezeae, ezo ana, yesh lecha, kshata, noshech bene Adam. » On a posé la question là-bas au serpent, et on lui a dit, « Dis-moi, quel plaisir tu ressens quand tu mords une personne ?»« Balo gvar nitkalela bechechet yeme bereshit, shekol ma shetokhal, yebo ta'am shalafar. » C'est quoi cette question qu'on pose au serpent quand on lui dit, « Dis-moi, quand tu manges une souris, par exemple, quand tu manges une espèce de lézard, quand tu manges, que tu manges, peu importe. Mais quand tu le croques, quand tu le mords, quel plaisir tu peux en ressortir? Car dans tes malédictions que tu as reçues, le serpent, tous les goûts qui passeront par ton palais auront le goût de la poussière. Donc, quoi que tu manges, tu n'auras jamais le plaisir du goût. Il n'y a pas de dopamine. Il n'a pas de plaisir. Il ne peut pas ressentir le plaisir. Ça fait partie de ses malédictions. Mais chez Vanachash, le serpent a répondu, donc dans la Gemara de Tanit à la page 8 à Moudalef, « Achen, en anichash betam » C'est vrai. Mais je ne ressens pas effectivement le goût de ce que je mange. Et c'est pour cela « En nishum to'elet v'ana mimash aninosher » Et c'est pour cela que quand je mords une proie ou quand je mords quelqu'un que je veux tuer, je ne retire absolument aucun plaisir. Ou l'âme, cependant. « Ma esse shekach » Et le serpent a répondu au Chachamim, mais que puis-je y faire si dans le ciel on a décidé de me mettre en moi le besoin de mordre, même si je n'en ressors aucun plaisir ni aucun besoin? Donc le serpent dit que c'est comme ça que j'ai été fait. Je tue même pour rien. Je passe à côté de quelqu'un, il bouge, je le mords. Pourquoi? Comme ça, c'est ma nature. Et il dit, c'est aussi la même chose pour les Talmidei Chachamim. Quel rapport? Kavanat Rabotenu, qu'est-ce que voulaient dire nos sages quand ils ont dit ça? Explique le Baal Shem Tov. Aeta chez Talmid Chacham, chez Pagobo, un Talmid Chacham qu'on a vexé, qu'on a blessé, qu'on a touché. Alav lintor vilibgoim, le pugaim bo, ad sheifayeseu. Si un Talmid Chacham, il dit ici le Baal Shem Tov, a été blessé, vexé, touché par quelqu'un, il doit l'éduquer en lui rentrant dedans, entre guillemets, jusqu'à ce que celui qui lui ait fait du mal lui demande pardon. Et là, maintenant on comprend, dit le Baal Shem Tov, pourquoi est-ce qu'on compare le Talmid Chacham au serpent? Il dit parce que le serpent lui a dit, dis-moi, toi, tu sens pas le goût dans ta bouche, t'as pas de plaisir. Toi, t'as pas de besoin des fois de tuer. Alors, pourquoi tu le fais? Il a répondu, parce que dans le ciel, c'est comme ça qu'on m'a créé. Je n'y suis pour rien, c'est ma nature. Il dit, le Talmid Chacham, quand on le vexe, lui, quand on le blesse, lui, quand on est pogabo, quand on lui manque de respect, quand on... Ok? Il doit être comme le serpent. C'est pas pour ton plaisir que tu le fais. C'est pas pour ton kavod que tu le fais. C'est parce qu'en toi, il y a la Torah qui vient du ciel. L'irvod à Torah, ce n'est pas toi qui dois réagir et te venger. Tu dois défendre l'honneur de la Torah qui est en toi. Et c'est en cela que tu dois remettre l'eau à sa place. Une fois, je me rappelle, j'étais avec un très grand rave sans donner son nom. On est rentrés ensemble dans une pièce. Il y avait beaucoup de monde. Et les gens ne se sont pas levés. Quand il a pris la parole, il aura rentré dedans ma mâche, comme le dit le Baal Shem Tov. « Tit ba'yeshu lachem. »
comme dit le Talmud, devant un Sefer Torah qui serait rentré, vous vous levez, et devant un Hacham, vous ne vous levez pas. Et j'entendais les gens qui disaient, ah, quel orgueil. Comme ça, il demande, il veut, ah, c'est toi, les rabbinim, regarde, il rentre, il veut qu'on se lève. Alors je lui ai écrit un mot comme ça, que je lui ai glissé sur le pupitre. Les gens pensent que c'est de l'orgueil, expliquez-leur pourquoi. À ce moment-là, le rabbi, il a dit, Rabotai, ce n'est pas pour moi que je parle. Parce que vous avez en face de vous une personne qui connaît toute la Torah, c'est en la Torah qui est en moi que je parle. Ce n'est pas en mon honneur quand je rentre moi, Goufa, non. C'est quand la Torah que j'étudie le jour et la nuit, quand je rentre à l'intérieur de cette pièce et vous ne vous levez pas. La Gemara dit combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant la Sefer Torah, mais qui ne se lèvent pas devant celui qui explique la Torah. Ce n'est pas en mon honneur. Je n'ai pas été blessé pour moi. J'ai été blessé pour cette Torah qui vit en moi, pour laquelle vous ne vous êtes pas levé. C'est ce qu'explique ici le Baal Shem Tov. Il dit, tu ne dois pas être Nagua Bedavar. Tu ne dois pas ressentir que tu vas avoir du plaisir parce qu'on se lève pour toi ou parce qu'on t'a vexé toi. Toi, tu dois être humble, Veipol Alpanav. Toi, tu dois pas te venger. Tu dois sentir comme une affaire devant tout le monde. Chaque personne devant toi doit être considérée plus grand que toi, dit le Baal Shem Tov. Mais la Torah qui est en toi, comme le dit le Shulchan Aruch par exemple, ou d'autres enseignements, Tanit Racham qui va lever des poubelles ou choses comme ça. Alors, il est pas, pourquoi son sang est plus rouge que ceux des autres? La malote, arrête la poubelle. Il dit non, le problème qu'il y a, c'est que quand le Tracham il lève la poubelle, il y a la Torah qui est en lui aussi qui lève la poubelle. C'est pas du kavod. C'est dans ce sens que les choses sont expliquées. Ça veut pas dire qu'un Tanit Racham ne doit pas descendre la poubelle de chez lui, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si par exemple, là, il y a plein de sacs poubelles à prendre et que le Tracham il vient prendre ses poubelles, non, Chas v'shalom, il lui a fait. Pourquoi? Il peut pas l'élever les poubelles, lui? Il est handicapé? Non! Il peut l'élever. Mais quand il va lever la poubelle, c'est toute la Torah qui est en lui qui lève la poubelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'un Tamit Racham, partout où il va, il a intérêt d'être un Kiddush Hashem. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Même si c'est permis des fois, il a envie de faire des choses. Il dit pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'homme, on voit la Torah qu'il représente. C'est-à-dire, regarde le religieux. On ne dit pas, regarde-le, lui, cet homme-là. On parle de la Torah qui est en lui. Et c'est extraordinaire. Parce que chaque fois qu'il s'agit d'une critique, on ne voit pas l'homme, on voit ce qu'il représente, la Torah. Et chaque fois qu'il s'agit de faire le bien, de l'honorer, de le respecter, de le mettre à sa place dont il est digne, on ne voit plus la Torah qui est en lui, on voit l'homme. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. C'est fou comment les choses sont faites. Quand il s'agit de vomir sur quelqu'un, de dire, regarde, t'as vu la Torah? Voilà pourquoi je vais mettre le jeu, regarde-lui. Mais lui, c'est un humain. Pourquoi tu ne vois pas le côté humain qui est en lui? Et quand il faut se lever devant lui, pour qui il se prend? Celui-là. On ne voit plus la Torah qui est en lui, on voit le contraire. Ce sont des gens tordus de l'esprit. Le Baal Shem Tov, il répond, elle a arverak bifnek kevoda Torah. Il dit de là, c'est ce qu'elle veut dire la Gemara. Elle veut nous dire la Gemara dans Ta'anit Het Amud Aleph. Elle veut te dire que le Chacham, s'il veut remettre quelqu'un à sa place, c'est comme le serpent. Chas v'shalom, d'abord on ne doit pas se venger. Oui, c'est à l'échelle individuelle. Toi, personnellement, tu ne dois pas te venger. Mais s'il s'agit de l'honneur de la Torah, si la Torah est falsifiée, si la personne, Chas v'shalom, elle est pogia becha et de ta Torah, tu as le devoir de t'élever comme un lion et d'honorer et de défendre la Torah. Il dit tout comme le serpent, il est envoyé par Dieu pour tuer celui-là, mettre à l'épreuve celui-ci ou faire peur à celui-là. Il dit le serpent, il dit moi je suis un serpent, tu vas me reprocher d'être un serpent, je suis un serpent, je suis pas un cheval, je suis un serpent. Et il dit tout comme j'ai été créé comme ça du ciel, ainsi doivent être les talmidei chachamim. Et c'est pour ça que Moshe a demandé à Dieu de punir Korach. Au lieu de prier pour qu'il fasse teshuva, au lieu de prier comme il a fait pour la faute du veau d'or ou pour les méraglim ou pour toutes les fautes comme la favram avec Sodome et Gomorre, pourquoi il demande que Dieu venge cette humiliation? Le Baal Shem Tov, il explique, il dit Moshe, c'était pas de lui. Moshe, il pole alpanab. Pour lui, il est tombé à même le sol. Il n'a pas réagi. Mais quand il a remis la question en Torah, il a dit là, il faut qu'il soit puni. Omer Baal Shem Tov, takshivu jusqu'à la fin, c'est magnifique. Kidvarim alalu, matzanu shekach, naag Moshe Rabbeinu, alav shalom klape korach vedato. Shibikesh mekadosh Baruch Hu, she'al yamitota mita tiveit. Il a demandé à Moshe, à Kadosh Baruch Hu, ne les tue pas de façon naturelle, mais surnaturel, comme ça s'est passé. Ils ont été brûlés sur place. Et là, Arvera, Kaliede, Shadama, Tifatsea, ou alors que la terre se soit ouverte,
et pia, que la terre ait ouvert sa bouche et qu'elle les a avalés vivants. Et le Choran irait à Dabar, qui le Moshe Rabbeinu nokem ba'em. Ah, il fait mode. Il explique maintenant le Baal Shem Tov, et il dit, on comprendra maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé une mort spéciale pour eux. Non pas une mort naturelle, un infarctus ou autre qui aurait pu arriver. Et là, il a demandé un miracle. Ceux qui sont morts avec les encens, et puis il y a ceux qui sont morts quand la terre s'est ouverte. Par contre, c'est pas naturel, une terre qui s'ouvre, et qui tombe dedans, et une partie qui est brûlée, une partie qui est avalée. Il dit pourquoi ? Il dit que c'était pas pour lui personnel, mais parce que la Torah était vexée. Al shenisu le'arer al ma'amado. Jusqu'à ce qu'il cesse de se poser la question, est-ce que Moshe est un imposteur ou pas ? Achaemet i chez Moshe Rabbeinu asaken l'irvoda shel Torah ovadai lo asaken babur kevodo eshi. Le Baal Shem Tov nous met en garde à propos de cet enseignement qu'il a donné à ses élèves, qu'en réalité, quand on voit des Talmidei Chachamim, des fois réagir de façon un peu orgueilleuse, sur « comme ça tu me parles à moi » ou « alors ils ne sont pas venus ». Comme une fois, c'est arrivé « Lo'alein v'lo alichem » à Armon Hanatziv. Ils ont fait venir un très grand Posek Halakha dans une salle. Et quand est arrivé le Posek Halakha, on attendait au moins 300 à 400 personnes. Sinon, je ne serais pas déplacé. Pourquoi ? Parce que dans une autre ville, il y avait 300 à 400 personnes qui l'attendaient. Quand il est arrivé, il y avait une trentaine de personnes. Vous allez être étonné, peut-être dégoûté pour certains. Mais le Rav, quand il a vu ça, il a pas fait court, il est parti. Et les gens étaient très déçus. Ils lui ont couru derrière. Ils lui ont demandé pourquoi il partait. Il leur a répondu, moi, chers amis, personnellement, même pour une personne, je viens. Celui dont je vous parle est très, très connu. Vous savez ? Très connu. C'est un Rav qui a écrit le Baït HaYehoudi, c'est un Tamit Chacham Atsum, il est Posek Halakha. Et quand il est rentré dans sa voiture, j'avais un ami qui était là-bas. Il lui a dit, Rav, pourquoi vous partez ? On est venu pour vous. Il a dit, pour vous, je serai resté, même au bout du monde, je vais pour sauver un juif. Je ne cherche pas la quantité, je ne cherche pas des adeptes, il leur a dit. Mais ce n'est pas le caveau de la Torah. C'est-à-dire que si je parle devant vous, moi j'humilie la Torah à ce moment-là. Zélo Kavod. Quand j'ai posé la question, il y avait un courroie Houlon. Il y avait 300-400 personnes qui l'attendaient. Vous m'avez dit ici, alors je fais Zekou Yarabim dans les deux sens. Vani Megia, vous êtes 30 personnes et je vois autant de chaises vides. Ça, c'est pas beau pour la Torah. C'est comme des fois, il y a un cours de Torah. Qu'est-ce que font les gens ? À la Beit HaKnesset, ils se lèvent et ils sortent dehors. Les Chachamim nous ont dit, tout celui qui sort pendant un Dvar Torah pour parler dehors et y rentre pour prier, sa prière est considérée comme une abomination aux yeux d'Hachem. J'aimerais vous poser une question très simple, très sincèrement. Imaginez que vous êtes en train de parler, à la maison, on ne parle pas de synagogue, tout le monde est à table, tout le monde mange, tout le monde. Vous commencez à faire un Dvar Torah, tout le monde prend son petit journal, quitte la pièce, ou reste dans la pièce mais va s'asseoir à droite à gauche, ou pire encore, ils restent à table, ils se parlent entre eux, ils regardent leur journal pendant que vous vous parlez. Comment vous allez vous sentir ? Réfléchissez juste à cette nikouda. Vous allez vous être orgueilleux ? Non. D'abord, c'est un manque de savoir-vivre. Deuxièmement, c'est particulièrement humiliant. Et pour finir, vous n'étiez pas en train de raconter l'histoire de Tintin et Milou ? Vous étiez en train de faire un Dvar Torah. Donc même si vous, on n'a pas envie de vous écouter, où est le kavod de la Torah ? Si le Baal Shem Tov dit, le Tamit Racham, il doit toujours penser au kavod de la Torah. Et quand la Torah elle est blessée, il a le devoir de venger la Torah à l'image du serpent qui n'a aucun intérêt personnel. Ce n'est ni pour son orgueil, ni pour se venger personnellement, ni parce que monsieur, il a été vexé. Mais c'est parce que la Torah a été vexée. Car Omer Baal Shem Tov. Et j'aimerais juste vous rappeler qu'on a tous le devoir de bouger, de crier, de taper sur la table quand l'honneur de la Torah, quand nos traditions sont mises en danger, quand on voit ce qui est en train de se passer, on a le devoir pas simplement de prier, on a le devoir de crier et de supplier le Créateur du monde de faire tout ce qu'il faut immédiatement, Bezrat Hashem, pour les avir même chalet zadon mina aretz. Le pays d'Israël, aujourd'hui spirituellement, dans le tachlès des choses, est réellement en danger, comme jamais il ne l'a été depuis tellement longtemps. Aval en yushklal baolam. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, le monde dit religieux, devons encore plus nous renforcer dans la Torah et les mitzvot, ken yirbu, bezrat Hashem, dans l'amour du prochain, vechinis kekula nous les geula, shlema, krova, ve'amitit, achim tovim shalom.
Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Une grande Hatzlacha. Excusez-moi pour tous les cours que je fais, peut-être que je saoule beaucoup de gens. J'ai une liste, il y a des anniversaires, il y a des dates. Donc je ne fais pas ça par rapport à ça. Je partage aussi de la Torah à chaque fois. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que c'est des rendez-vous en rendez-vous. J'ai pas beaucoup de temps pour m'asseoir à étudier. Mais quoi qu'il advienne, j'espère que chaque shiur pourra au moins changer ou donner du plaisir au moins à une personne, une seule. J'ai déjà tout gagné. Toda Rabba, ce que nous autres, Massim Tovim. Fouach Lemal Kol Chole Israël. Que de très très bonnes nouvelles. Toda.